Nous avions un défi, réussir à courir 10 km en moins d'une heure. Mais que s'est-il passé? Pas l'heure de commencer les vlogs. Oui. Voilà, c'est encore une fois une immersion dans ma vie de fit girl. Hello. Alors, comment allez-vous les amis? En tout cas, moi ça va. Ça va, ça va. On est le 22 juillet aujourd'hui et il fait un peu grisâtre aujourd'hui, mais bon. Pour reprendre cette vidéo sur l'entraînement que je fais pour faire 10 km en moins d'une heure. C'est mon objectif pour la course que je vais faire dimanche qui s'appelle 10 km de la côte de Granirose. Du coup, on est à J-7. Enfin, il est lundi, donc J-6. J'ai discuté un peu avec un ami médecin. Il m'a dit que cette semaine, en fait, juste lundi, là, il faut que je fasse 10 km, mais très lentement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà. Et sinon, pour vous faire un petit récap, la semaine dernière, ce que j'ai fait... Alors, si je récapitule dans ma tête, le lundi, j'ai couru 8 km. Le mardi ou mercredi? Non, c'était le mercredi, j'ai fait un cours de pilates lagri. C'est genre sur une plateforme, c'est horrible. Et samedi matin, je suis allée faire du pilates réformeur. Ça, c'est sympa aussi. Je trouve que c'est un bon exercice quand, en fait, quand on veut faire un peu de l'étirement, tout en faisant du renforcement musculaire. Je trouve que c'est moins agressif que le lagri et ça fait quand même bien travailler les muscles profonds. Donc le pilates réformeur le samedi matin, j'aime bien. Regardez ma manucure. Hein, ça me brat. Bon, il faut que je continue ma compta là. J'ai de la compta à faire, les gars. C'est parti, les amis, on va courir. Le but, c'est de se faire. Non mais non, mais je suis obligée de le porter. Ah ça c'est chiant. Mais je dois avoir, c'est pas possible. On va aller chercher. On va aller chercher les amis. Bon, vous voyez, je suis pas la meuf la plus stylée hein, en courant. Mais je me considère quand même comme une fit girl. Comme vous avez vu, je suis pas n'importe quelle fit girl. Je suis entre autres une coureuse du dimanche. Ok. Et attention, pour être une vraie coureuse du dimanche, il y a une recette à respecter. C'est pas de tout repos. Cette recette, elle se compose de plusieurs étapes. De 1, étirez-vous régulièrement pour éviter toute blessure. De 2, faites du renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine. De 3, courez une à 2 fois par semaine. Challengez-vous sur l'une des deux séances. Par exemple, faites du fractionné ou sortiment. Mais attention, ce n'est pas tout. Pour réussir à accomplir 10 km dans la bonne humeur, il faut avant tout avoir... Demain, on court 10 km. Ouais. Ça, reprenons là où nous en étions, le départ. Pour être dans la continuité du vlog sur les 10 km, me voilà qui part faire ma valise parce que je pars demain soir, je vais en Bretagne. Et en fait, cette vidéo, l'objectif, c'est de faire surtout la course des 10 km de la côte de Granirose, qui est une course assez dure, mais sympathique. Oh putain, voilà. Les gars, je suis en télétravail en Bretagne. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu le jour. Enfin, je le vois à travers ma fenêtre, quoi. Il fait pas très beau, donc ça va, je loupe pas grand chose. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde fout le feu sur les rails du train? Excuse me. Je suis épuisée de ma vie là en ce moment. Là, pardon, j'ai oublié de vous dire. Je vous explique que Léna et Margot viennent en voiture. Attendez, ce que je vous ai pas dit, c'est que Léa, elle a persévéré. Comme elle finissait plus tard que Léna et Margot, elle a pas pu partir avec elle. Du coup, elle est restée à la gare. Mais elle est restée à la gare bien tard. Je vous ai épargné ça, hein. Mais à 4h du matin, j'ai dû aller la chercher du coup. Continuons le boulot.
Mais attendez, ça va trop vite là. On n'a pas encore fait les présentations. Tout d'abord, on a Margot, une petite pépite, également coureuse, mais pas que du dimanche, membre du club très privé, le Running Fast Club. Il faut s'hydrater. Pour les personnes âgées. Ça, c'est pour. On s'adresse à l'audience. À l'audience un peu plus âgée. Ensuite, on a Léa. Léa qui m'a fidèle amie depuis mes 15 ans, depuis le lycée. Léa, je ne l'ai jamais vue faire un cours de sport. Donc, elle est là pour le support émotionnel. T'aimes le persil ? Parfait. Margot's Kitchen. Mark's Kitchen. Mark's Kitchen. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bloqué ? C'est avec l'eau, la condensation. Merde, ça aussi ! Que chacun mettra dans son assiette. Oui. Hein ? Triceps gang. C'est écrit quoi? C'est écrit Khachapuri. Quoi? Khachapuri. Ça veut dire quoi? C'est le plat géorgien. Trop stylé. Regarde cette rose. Regardez cette star. She's the main character. Demain, on court 10 km. Et... Ouais. Bon, ça suffit, on a assez vu Margot. Hein. On sait que c'est une star. Mais voilà. Et enfin, on a, attention, une autre méga star, Léna. Léna, ma pote de fac. Et ouais. Léna, c'est la meuf qui veut que tout le monde soit heureux. C'est la maison du bonheur en une personne. Et toi, c'est quoi tes entraînements? Parce que c'est le sujet de ma vidéo. Mes entraînements, c'est littéralement revenir du travail, se dire ok, besoin de me défouler et pas avoir d'entraînement et courir. Et voilà. Ça, c'est pas bien. Et c'est pas bien. Non, sinon, il faut faire du frottier du tout. Mais là, c'est ici à faire un nouveau programme de run and pump. Et c'est pas mal apparemment. Mais tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je dirais que je cours deux fois. Et là, c'est le vlog ou c'est la vidéo entraînement? C'est un mélange des deux. Bon, au cas où vous ne l'ayez pas compris, c'est Margot et moi qui allons courir. Et Léna et Léa vont nous supporter. C'est aussi un rôle très important. Attention. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Il y a cette maison-là. Il y a les gothiques dans les signes. C'est Vladimir Gothique. Le bruit des bisous. Bilan à froid. Non, c'est... Il est 8h30. On est prête. Après, c'est tôt, hein. Presque prête. Et on doit partir tôt. Dans 10 minutes. On est tôt. On est tôt parce que, voilà, il faut... J'aime outfit of the day. Enfin, before, after. Before, after. Before, this is the face. Et after, we'll see, hein. Non, mais les macarons, c'est trop mignon. Trop mignon. C'est vraiment une athlète. C'est nos Jeux Olympiques. Je te prends en top. Les scènes. Ah, c'est une vidéo. Bah, yes, 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 bla 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 bla, pouki. C'est mon vocabulaire. Ça commence quand même par Houdini. Populaire ensuite. Supermassive Black Hole. Doja Cat. Ensuite, il y a quand même Piece of Me de Britney Spears. Ça, c'est de la playlist. Le départ. Un dimanche vraiment. Bon, vraiment rocambolesque. Monsieur, vous avez pas mis les écouteurs. Allez, Dadou. Bon,
voilà, 10 km d'accompli. J'ai fait 56 minutes et Margot elle en a fait environ 55. Donc franchement, objectif atteint. Si je pouvais vous dire un dernier conseil, c'est surtout que pour être une vraie coureuse du dimanche, mais pour être une sportive tout court, quand vous pratiquez, il faut prendre du plaisir. Ce qui compte, c'est d'écouter votre corps et de kiffer, quoi. Trop beau. Sublime. Il y a le pupperoir qui a cassé. Les amis, faut qu'on vous raconte. Voilà, Margot et moi avons achevé notre objectif qui était de faire les 10 km. Les 10 km en moins d'une heure, c'était un ouais. Plus. Objectif moins d'une heure, objectif reprise de course et prise de course. Et surtout objectif plaisir. Bah, voilà. Un maximum à 7h30 du mat, levé aux aurores. C'était difficile le réveil et puis il y a eu des petites péripéties qui ont fait que c'était compliqué au début. Et puis voilà, un peu de stress, etc. Et finalement, arrivé sur les lieux du crime, finalement le stress, je dirais, pour ma part en tout cas, n'existait plus. Il faut dire que quand on arrivait au lieu, il y avait une bonne organisation, il y avait beaucoup de monde, 1300 participants. Ouais, ouais. 1300 et seulement pour les 10 km. Attention, ouais. En tout, c'était 3000, je crois. Temps magnifique. Voilà. Bah oui. Et puis plus bel endroit du monde, j'ai envie de dire. Plus bel endroit du monde. Et t'en as pensé quoi pour ta toute première course, qu'est-ce que t'as ressenti tout au long? Est-ce que t'as senti le soutien du public? Est-ce que t'as senti carrément. Un challenge? Alors j'ai bien aimé le fait que ça soit une course qui se déroule là où elle était, c'est-à-dire la côte de Granny Rose. Le soutien du public, incroyable. Les petites personnes qui jouaient du tambour sur les côtés, vous avez toute ma vie en fait. On m'avait un peu parlé du coup de l'aspect galvanisant de tout ça dans une course, étant donné que c'était ma première. Je trouve que c'est vrai. Après, moi perso, je crois que je suis pas aussi sensible que ça. À cet aspect-là. J'ai pas forcément envie dans l'immédiat de refaire une course, sauf dans des beaux endroits comme ça. Voilà, je sais d'accord, pas mais puis après, ce que t'en penses, t'étais dans ta bulle, voilà. Ouais. Oui. Tu faisais ton parcours, toi, ouais. T'es là pour faire le parcours pour le parcours. C'était pas ton objectif d'être dans la course professionnelle, la course olympique. Comme tu l'as vu au départ, c'était déjà pas possible de. Si tu jouais le jeu et que tu te plaçais à l'endroit derrière les gens, ça servait à rien de. Enfin, tu pouvais pas doubler facilement. Donc, même notre temps actuel, en réalité, on peut faire mieux parce qu'au début, c'était un embouteillage, quoi. Je suis d'accord. Je pense qu'on a bien perdu 2 minutes entre l'embouteillage. Ouais. T'as foncé au début, là. Mais après, je t'ai retrouvé. Tu t'es faufilé. Après, j'ai essayé de te suivre et puis on s'est retrouvé. C'est fou, ça. Ouais. Et le moment fort Bah, trop beau paysage, etc. Et ça va aussi avec un peu les variations de terrain. On avait quand même un petit peu de dénivelé au début. On montait par des petits villages bretons, etc. Et ensuite, des étendues trop belles. Pas des ports un peu, mais là où à on côté, est passé, où il y avait la mer. Manac. Si, pas... c'était un port. Hein. C'est un port. Enfin, c'est super beau, quoi. Et voilà, le moment challenge, c'est littéralement la montée qui s'appelle... La côte du sémaphore. En plus, moi qui connaissais pas l'endroit, à un moment, je vois des gens voler comme ça. Mais juste, je vois pas pourquoi. Et c'est une montée de bata. Et j'ai l'impression que j'ai une hallucination, je vois des gens voler. Je dis, ah ouais, d'accord. Et le plus beau moment, c'était, je pense, la pente finale, parce qu'on a une vue un peu comme pour ceux qui jouent à Mario Kart dans le circuit. Ah ouais. Là c'est Splash Beach. À un moment tu étais près de la ligne d'arrivée comme ça, tu as une vue sur la mer et là c'était une vue mer palmier et tout, j'étais trop bien. Franchement ouais, la vue sur la fin elle est incroyable. Ah c'est ouais. Une masterclass. Ouais, et en plus bien. Elle est un peu traite par contre la descente parce que attention aux genoux. Hein. Ah ouais. Et toi du coup qu'est-ce que t'en as pensé? Pour moi, c'est une expérience qu'on partage tous ensemble, c'est la bonne vibe. C'est vrai. Je trouve qu'il y a cette course, elle a un charme. Ouais, même les bénévoles, ils sont super cool. Ouais. Franchement, c'était vraiment bien, il y avait quand même pas mal de monde. Et vous en pensez quoi? C'est parfait, j'étais cachée par la bouteille. Oui. Alors moi, j'ai adoré la course. Et merde. Bah nous, c'était non, super, mais bien de soutenir.
à la fin juste prendre la vidéo de quand vous arrivez et faire ouais, allez. Ouais, franchement c'est trop bien. Ça faisait grave plaisir de vous voir et il y avait une super ambiance à l'arrivée. Et bon voilà, on s'est dit l'année prochaine, soit on essaye de faire 55. Oui. Toi t'as dit 50, en vrai 55 c'est mieux. Ça fait deux années, deux fois de suite que je fais 54, 50, enfin dans les, ces eaux là quoi, 56. En fait faut qu'on, t'sais, faut qu'on s'achète une montre. Faut que je s'achète la Garmin. Non parce que... On va Garmin. Non parce que des fois je pense qu'on pourrait courir plus vite, juste on se dit bon vas-y on sait pas. Oui on sait pas, ouais. On n'est pas équipé en fait. Ouais. Alors c'est un appel à vos dons. Il y a le Tipeee en description, lâchez vos dons et tout. Ici. Un Oli, n'aime pas. Donne-nous ta Garmin. Asics veut nous sponsoriser, nous envoyer une tenue pour l'année prochaine ou même Adidas, voilà. Y a pas Nike, New Balance sur New Balance, On. Parce que moi tout me tout, va. Tout nous va et voilà. Et les 20 km alors. Est-ce qu'un jour moi je me sens capable. Je pense que je le sens mais je le finis très mal. Moi aussi. Ouais. Moi je le sens mais si on reste ensemble je pense. Oui. Parce que là c'est vrai qu'il me manquait un truc, c'est ouais c'est peut-être une personne pour dans les moments un peu mais de down. Mais maintenant qu'on sait qu'on court à la même allure. Mais grave. Parce que on savait pas trop à la base. Parce que les Strava mensongers là de tout le monde, on sait plus. Bon bah c'est tout pour... Ouais, un énième vlog course en 2024 qui sera parmi les gens plus connus, mais j'espère que vous regarderez. C'est une vraie expérience ici, hein. Surtout mes Bretons là. Les Bretons qui nous promettent l'apéro quand on est sur la course. Ouais, ça, au ça bout du premier kilomètre, c'est ça qu'on veut. Et on a vu aussi des Bretons à 10h50. 51 boire une bière sur le balcon. Après la course. Et ça m'a choqué. En même temps, je suis pas déçue. Et puis n'oubliez pas de follow AD évidemment. N'oubliez pas de follow AD quand même. Parce que au-delà de parler de la course, elle parle de plein de trucs. Salut voilà. La team. Bye. Bye la team.